Bonjour, je m'appelle Laetitia et je suis étudiante en tant qu'éducatrice santé dans l'école Gaïa-Véda. Donc, j'ai choisi cette école lors du premier confinement. J'avais envie d'en savoir un peu plus en ce qui concerne cette science, car je suis une grande passionnée de l'Inde et de sa culture, de ses traditions. Donc, j'exerçais déjà en tant que professeure de yoga sur la ville de Toulon et ses alentours. Et donc, ayant des petits couacs de santé, rien de bien grave, mais des petits déséquilibres, j'avais envie de trouver une manière plus naturelle pour aller mieux. Et c'est pourquoi je me suis automatiquement tournée vers l'Ayurveda. Et après quelques recherches, je suis tombée sur Gaïa-Véda qui proposait notamment des stages en Inde, en clinique. Donc forcément, ça a attiré mon attention. Et ensuite, c'est le e-learning qui m'a convaincue parce qu'étant à mon compte, je ne pouvais pas partir sur Tours, ça fait un peu loin. Et donc ainsi, j'ai pu travailler chez moi. Donc ça, c'était vraiment très très pratique pour valider ma première année. Donc celles et ceux qui hésitent, qui ont peur que le e-learning soit compliqué, c'est sûr qu'il faut un peu de discipline quant au travail à fournir, mais ça permet vraiment d'organiser son temps de travail, et les cours sont quand même très denses, les vidéos, les supports permettent vraiment de suivre le programme. Et concernant les stages de perfectionnement, donc là on est en relation avec des professeurs de l'Inde, donc ça c'était quelque chose de très important pour moi, c'est ça qui a fait que j'avais choisi Gaïa-Véda à l'époque. C'est que j'avais ressenti, j'avais bien vu grâce au site internet que la directrice, donc Caroline Henry, avait appris à la source et j'y tenais grande importance. Voilà. Donc je tiens à remercier Caroline, mais aussi les intervenants lors des stages de perfectionnement qui sont des médecins ayurvédiques indiens, donc qui sont là-bas et qu'on a un contact visio qui permettent de nous léguer certaines de leurs connaissances. Très, très enrichissant. Donc j'en suis qu'à ma première année, je suis en train de valider la deuxième et j'ai vraiment hâte d'en découvrir davantage tout au long de ma vie. Donc merci beaucoup.